Disclaimer. Disclaimer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui excès? Ah, le résumé. Mais oui. Je suis Tails. On allait l'attraper, cet Eggman, mais on a descendu le tornado. J'ai perdu Sonic, il est sûrement temps de dévoiler ma nouvelle invention. Mais d'abord, j'ai besoin d'un Chaos Emerald pour que ça marche. J'en trouverai une. Il a pas dit un Chaos Emerald? Non, c'était une. C'est toi qui avais lu. Hein. Enfin, je sais pas lire, en fait. J'ai pas voulu... je sais pas lire. Non, mais j'ai pas voulu le relever parce que je me suis dit non, ça se fait pas, tu vois, c'est pas gentil. Ouais, mais je sais pas lire. Ouais, mais écoute. Bah ouais, mais c'est. Le problème, pas le mien. Je veux dire. Oh, regarde, Tails, il a perdu Sonic, il est plus rien sans lui. Mais comme on disait avant, tu es un renard indépendant à deux queues. Straf. Glide. Personne ne marche comme ça, Tails. Wow. Oh. Mais c'est Sonic. C'est un hérisson bleu, il a failli m'écraser. Peut-être qu'il va m'aimer. Ou peut-être qu'il va péper. Et là, depuis, je suis devenu le stalker de Sonic. Et voilà, c'est une belle histoire d'amitié. Tes cheveux sentent bon. C'est vraiment flippant, putain. Ouais, ouais, c'est super bizarre. C'est ça, vraiment, l'histoire de leur amitié. Le mec s'est même pas arrêté. Et il fonce dans la... Attention, il y a un trou. Adieu. Ah mais on avait vu ça, c'est parce qu'il s'était crashé et du coup il avait un flashback. Ah oui, c'est vrai. Et là, on va retrouver les chaos qui sont en train de cramer, non? Ouais. Regarde. Where am I? C'est marrant, quand il cligne des yeux, sa mèche à bout. Wow, that dream brought back memories. C'est un, y a un air qui les lie, les deux. Cette lip sync. Ah oui. Sonic! Entre à la maison. Oh. Wonder where he went. Sure hope he's all right. Mais oui, il va bien. The tornado's not powerful enough. Pour. Ah oui, c'est vrai, on s'est fait descendre par le carrier. Ah oui. Ouais, finis ton prototype. Et oui. Que j'arrête de me parler tout seul debout en plein milieu nulle part. Et que je fasse des trucs au lieu de le faire, putain. Et maintenant, je respire. Inspire. Expire. Cligne les yeux. Avale ta salive. Expire. Avale. Cligne. Des... Ah. Oh, regarde, j'ai pris le train. Oui. Train de la mine. Comme Olivier. Oui, Olivier Lamine. Le fameux. Ou le... C'était pas aussi le nom du personnage dans J'aime lire? J'ai raté l'échelle. C'est possible. J'ai raté l'échelle. Ah oui, c'était ça son nom. Non, c'était c'était Bonne Mine, je crois. Bonne Mine, ça me dit quelque chose. Et c'était la femme de... Mais la femme, oui. Oh. Oh, c'est quoi cette position pas du tout naturelle? Oh, mais une grenouille. Brandy. Oh, mais non. Arrête. Stop. Mais Froggy, stop. Ah, c'était en haut. Non. Attends, si, regarde. Si. Wow. C'est quoi ça? C'est un interrupteur, il me semble. Ouais. Je crois que si je me suis. Mais ouais. C'est 3 combats, ça. Ça fait sauter le combat. Non. Oh, un sable. Non, c'est une chasse. Ça tire la chasse. Sérieusement. Je suis une merde. Les chiottes du pharaon. C'est un mille. Oh non. C'est pas encore un truc de... Si. Oh, j'adore. Oh oui. Vas-y, slalom. Allez, Val d'Isère all over again. Putain, j'ai raté les portes. Oh là là, ce vomi. Oh. Que quelqu'un me sorte de là. Oh la vache. David Cage, si jamais tu vois cet épisode... Ah, ça fait du bien. À quel moment tu me dis que plus de polygones, c'est plus d'émotions? Là, c'est juste beaucoup plus de trucs dans le... Et vous avez pas les vibrations de manette aussi, hein. Oh la vache. Waouh. Allez. En fait, je prends le concept de course très à cœur. Du coup, je vais doucement. Ouh là là. Oh, ça y est, ça commence à... attention, le cactus. Droite. Oh là là. Oh, heureusement que j'ai pas trop mangé à midi parce que... Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Help me. Oui. Lola Pro Gaming. Wouhou. Oui. Wow. Wow.
Je crois qu'on a perdu Poochie. Je sais plus ce que je regarde. Je vais bruiter à la bouche. Ding ding ding. Voilà, wow. Et ben j'ai envie de dire tranquille Emile. Il y a un moment j'ai vraiment perdu, genre je savais plus du tout où tu étais ni ce que tu faisais. Moi j'ai oublié que j'existais pendant un moment. Et voilà, c'est, mais en fait je comprends pourquoi Sonic est aussi connu en fait, et aussi reconnu comme, comme saga. C'est juste que ça te fait poser des questions sur toi en fait que t'as pas l'habitude de te poser. Mais là c'était l'occasion de faire une introspection. Ah ouais, non mais là on a introspecté comme jamais. Ah bah là oui. Ah ouais, je me suis retenu. T'as compris? Bien trop. Bah oui, ouais, voilà. Spéculos. Eh, hey, regarde, on est dans mon niveau que j'adore. Oh non. C'est les ruines Inca, tout ça. Il y a des et après tu remontes le temps. Et regarde tout. Des enchiladas. Waouh. Ah attendez. Bonjour. Ah non. Ne jubilez pas. Ne jubilez jamais de votre victoire. Ils ont beaucoup de conversations. Mais regarde comment ils bougent quand ils te parlent. Oh putain, mais c'est des cartes. Hein? Bah, je pense donc je suis. Wow. Non, je croyais que... En fait, je pensais que le geste avec leurs mains, genre ils mélangeaient les cartes. Ils jouaient avec des cartes. Je pense donc je suis... Ouais, les mecs c'est des philosophes en fait. J'en ai eu peur de toute ma vie. Bah voilà. Bon alors, il faut rentrer la pyramide ou faut faire quoi déjà là? Bah attends, je vais faire un petit tour. Non, dans mon souvenir, il y a rien à faire sur les côtés. Bah tu peux voler. Oui, mais bon. Oh, un truc. Hein? C'est un puits. Ah bah c'était un puits. C'est un puits scellé. Enfin, c'était un... Tu revois du caramel? Allez. Une caramel en nous la tronche. Oh, joli. Oh, oui. Une petite liquette. Oh bah oui. Oh bah... Ah bah qu'est-ce que t'as fait? Alors, on va jouer à un jeu. Il est où tel? Il est où? Et voilà, il est là. Il est mort. Oui, comme nous tous. Mais tu dois rentrer dans la pyramide, je... non? Non, c'est fermé. Non, c'est fermé. Je vais prendre en 3 briques. tabouret. Non, c'est pas ça qu'on... c'est pas comme ça qu'on joue. Non, je sais. Ah non, c'est toi qui sais. Oui, pas. C'est pour ça. C'est non. Tabouret, non. T'imagines? L'anti-jeu de tout ça, la pyramide. Non. C'est comme l'épisode de Friends. Genre, tu sais, où il y a Joey qui joue à pyramide. Ah ouais, il fait ça? Ouais. Non, et donc t'as un mec qui fait, alors il commence, alors c'est blanc, de la mayonnaise, un fantôme, la lune, c'est plus petit, un canard, un nain. Non, c'est plus petit, il commence à dire, je sais pas, genre, des petits pois, des haricots, mais non, mais c'est blanc, un fantôme, de la mayonnaise, la lune. Mais, en fait, mais comment c'est... on fait pour jouer à ce jeu en vrai? Pyramide? Ouais. Tu fais des associations d'idées, c'est comme le Time's Up. C'est genre, quelqu'un te dit un mot, et toi, faut que tu trouves un mot qui a un rapport avec ce mot. C'est ça. Mais t'as droit qu'à très peu de... En fait, tu dois faire... T'as un nombre de briques. Où bah merde, oui. T'as 10, il me semble que t'as 10 briques, genre truc comme ça, et tu paries en fait le nombre de briques. Que tu peux trouver. Enfin, en combien de briques tu trouves? Ouais, c'est ça. Ou alors, en fait, combien de mots tu peux faire deviner en moins de briques possible. D'accord, ok. Donc, genre en 10 briques, combien de mots tu peux faire deviner? Mais ça, c'est marrant comme jeu. Non, j'aimais bien, moi. J'en ai été présenté par Patrice Laffont. C'était bah, cool. Oui. Et puis d'ailleurs, waouh, la meuf là qui présentait aussi Pyramide avec lui. Oui. Et qui présentait une autre émission dans les années 90 qui s'appelait Devine mon métier ou un truc comme ça. Devine mon métier. Où t'avais des mecs dans une, enfin t'avais des gens sur une estrade et t'avais des participants qui devaient leur poser des questions ou les faire participer à des épreuves, ouais. Et en fonction de ça deviner quel métier ils faisaient. Donc genre t'avais un truc de cuisine par c'est exemple. C'est marrant comme principe. C'est, ouais, t'avais une épreuve de cuisine et les candidats sélectionnaient chacun une personne en ouais. disant bah genre je pense que machine ou machin est cuisinier ou cuisinière. Ouais. Donc il va passer l'épreuve de la cuisine et en fonction de comment ça finissait bah genre. Ils disent bah ouais il a super bien réussi cette tarte aux fruits et l'autre s'est fait ah, bah non t'as vu comment c'est pas possible il est pas cuisinier tu vois. C'est ça. Mais c'était assez cool. Enfin bref, et ouais, donc ça passe. Et donc cette meuf là, pardon, je l'ai retrouvée à la télé. Maintenant elle fait le télé-shopping. Mais c'est qui? C'est Marie-Ange Nardi? Oui! Ah bah voilà. Ouais, j'ai trouvé. Je crois que c'est ça. C'est la seule que je connais. Ma soeur est fan. Posez pas de questions. Je crois qu'on avait tous compris un peu. Oui.
Non, sinon. Oui, sinon, va dans le. À droite. Oui, sur l'allée principale. Là, tu prends le. Tu vas dans l'autre. Là, en fait, dans le temple qui est là. Ah, faut aller là. Mais c'était derrière nous. Bah ouais, mais il me semble qu'une fois, on avait. Ça nous était arrivé aussi. Tu vois. Bah en fait, on est bête. Non, c'est le jeu qui te. Enfin, il te fait croire qu'il faut aller devant, mais. C'est non. ça. Ah oui, t'as raison. Et elle va être là-bas, là. Ouais. Ah. Oh, purée. Ou pas. Mais t'as vu, il y a plein de chaos émeraude alors qu'avant, il n'y en avait pas. Non, c'est pas là. Merde. Non, non, mais moi je suis pratiquement sûre qu'elle est dans la ville, mais qu'elle est dans un endroit un peu, faut que tu la trouves quoi. Non. Ben... Non, pas dans mon souvenir. Dans mon souvenir, c'était assez évident. Genre, Ah ouais. Ah ouais, il te cache pas souvent des trucs. Bah, moi, dans mon souvenir, j'en ai chié aussi pour la trouver. Donc, Le seul truc qui te cache, c'est les clés pour les niveaux. Et encore, il te montre bien où c'est si tu veux. Donc. En tout cas, c'est pas ici, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas là. On va retourner dans la. Dans la ville, ouais. Dans la city. J'espère que c'est passionnant. C'est... Sinon, limite, on peut faire un. Non. Je veux dire un accéléré, mais. Bah. Pas trop tard, de toute façon. Ouais, maintenant qu'on l'a dit, il n'y a plus de. Il n'y a plus de surprise. Ouais. Et s'il n'y a pas de surprise. Bah, il n'y a pas de Kinder. Bah oui, alors que tout le monde sait que j'adore ça en plus, le Kinder Surprise. Ah ouais? Non, c'est dégueulasse. Ah bon? Mais c'est pas. Les Kinder Surprise, je suis désolée, mais c'est pas terrible quoi. Bah, c'est pas du vrai bon. Un truc! C'est pas du vrai bon chocolat, mais. Ouais, oh, mais... le ruban! Il a un goût bizarre. Pour leur chocolat. Tu peux donner plein de coups de queue maintenant, je crois, c'est ça. Le rythme badge. Ouais. Mais voilà. D'accord. C'est peut-être ça qu'il fallait que je trouve pour que ça débloque la situation. Non, ça c'est un bonus qui. Yeah! Fuck the police! Underground! Nanana! Allez les mecs, je vous défonce! Wow! Oh, ça marche pas. Ils sont trop peut-être que maintenant que j'ai le ruban truc ça va marcher. Non, je te dis c'est un bonus. Non. C'est un bonus qui est pas obligatoire. Bah oui mais c'est sûr qu'elle est dans le coin. Oui bah. Non, elle est quelque part. Elle est là, elle est au pyramide de la pyramide. Mais elle était pas là tout à l'heure. Je vais te tuer. Elle était pas là tout à l'heure. Je vais te tuer. Elle était pas là tout à l'heure. Faut que je trouve le ruban, je te dis. Non. Mais si. Monsieur l'arbitre. Elle était pas là tout à l'heure. Ah, Lola. Comment vas-tu? Bon attends, là on est dans une phase de drague. Vous pouvez vous présenter d'abord, non? Je sais pas, c'est un peu flippant, genre un mec... Ouais, j'avoue. Écoute, mais... je connais pas ton nom, je m'en branle de ta grand-mère. Enfin... Waouh, les 7 chaos. Ta grand-mère, elle arrêtait pas de dire ça, putain. La pauvre. Bah ouais, c'est long en plus. Oui, enfin, surtout, où est-ce que, dans quelle situation de la vie de tous les jours tu peux dire ça? À moins d'être complètement gaga et de réciter juste ça. Bah, je pense qu'elle avait peut-être des petits... Parce que autant tu vois, une maxime, genre un truc, enfin une citation ou un truc comme ça, quand genre dis donc, trouve pas l'hiver à sa porte ou je sais pas quoi, ok, ouais. Mettons, tu vois, une expression de ce genre là, un idiome, ouais. Mais ça non. Mais en fait, à chaque fois, elle se ramenait et nous disait oh là là, le chaos, c'est moi. Mamie, t'as vu comment c'est mal rangé chez toi, c'est un vrai chaos. Le chaos, c'est moi. Oh, c'est reparti. Oh non. Bon bah, super, on l'a trouvé. Oh, voilà ce que c'est que de lécher des grenouilles. Wow. Je sais pas. Attention, ce qu'elle a pris, attention. Oh. Oh. Agression. C'est bon. J'ai peur. Qu'est-ce... Oui. D'accord. Cette musique est tellement pas appropriée. Si, c'est le thème de Big the Cat. Oui, c'est, mais par rapport à la situation. Bah si, c'est goofy, c'est rigolo. Oui, mais ça fait hyper dynamique et tout, alors que ce qui se passe... C'est juste que c'est animé à deux à l'heure, mais... Oui, bah oui, c'est voilà, ça, voilà, c'est quoi. Juste ça, hein. Ah oui. Donc, donc en fait, Froggy l'avait pas avalé. Mais attends, c'est pas une hallucination, j'ai mon ruban sur moi. Wouah... C'est fou, ça. Tadam. Bon, bah... Oula. Il marchait tout seul. Bah attention, ouais. Je marche seul. Ah bah tu vois. Bah c'est moi. Toi, c'est moi, je m'appelle depuis Jean-Jacques. Depuis le début. Donc on va renommer la chaîne maintenant, ce sera Gigi et PJ. Ça sonne bien. Oui. Ça va? T'as pas trop le tournis? Oula. Salut.